En 40 ans de carrière, on peut vraiment dire que Thierry Ardisson en a vu passer des artistes sur ses différents plateaux. Chanteurs ou chanteuses, acteurs, actrices, hommes politiques et sportifs, on les compte par centaines. Si avec beaucoup d'entre eux, cela s'est souvent très bien passé, avec d'autres par contre, c'est souvent allé jusqu'au clash entre l'animateur et son invité. Il faut dire que Thierry Ardisson est un peu le spécialiste de la question qui fâche, comme on dit. Thierry Ardisson ira même un jour jusqu'à virer du plateau une actrice. Cette actrice, Marie Gillin, était invitée dans l'émission « Tout le monde en parle ». Et quand Thierry Ardisson lui pose une question sur sa vie amoureuse, celle-ci répond alors assez sèchement « Non, je ne suis pas venu pour parler de ça. Je l'ai viré du plateau », explique l'animateur. Avant d'ajouter, mais le lendemain matin, je lui ai fait envoyer des fleurs pour m'excuser. Et il y a également un autre artiste qu'on ne reverra plus jamais en face de Thierry Ardisson. C'est Franck Dubosc. En effet, explique Thierry Ardisson. Un jour, après une émission, son agent est venu me trouver assez énervé en coulisses pour me dire que Franck ne reviendrait plus jamais dans une de mes émissions. Tout simplement parce que je lui avais parlé des gilets jaunes, ce qu'il ne voulait absolument pas, alors qu'il était justement en conflit avec ceux-ci. Et Franck n'est plus jamais revenu. Mais vous le voyez, je n'en suis pas mort, conclut Thierry Ardisson avec le sourire.